Gloucester, Massachusetts, 30 octobre 2001, 21h. J'espère que tu as fait un bon voyage. Tu vas râler, j'ai accepté une nouvelle mission. Et je sais, je t'avais promis de raccrocher. Et j'ai été contacté par un certain Johnson pour enquêter sur Shadow Island, sur Ben Morton et des tablettes Abganis. Ça ne te rappelle rien? Tu comprendras que je n'ai pas pu refuser et que je n'ai pas pu t'attendre. Je pars demain. Je t'ai laissé quelques notes dans le tiroir du bureau. À très bientôt, Carnby. Ah, j'oubliais. Si tu veux contacter Johnson, son numéro est le 555... 14-95. Boston Police Department. Nom, Fisk. Prénom, Charles. Date de naissance, 17 février 1944. Date de décès présumé, 24 octobre 2001. Quelque part aux États-Unis, 31 octobre 2001, 18h43. Alors, ils seront sur Shadow Island dans une heure environ. Carnby est incontrôlable, mais nous n'avions pas le choix. Et le professeur? Alin Cedrak est persuadé qu'Oben Morton est son... Nous n'avons eu aucun mal à la convaincre. Il me faut ces tablettes et leurs traductions. Vous m'avez compris, Johnson? Oui, monsieur. Papa? Papa! Mademoiselle Cedrak? Aline? Réveillez-vous! Hein? Oui. Oui. Excusez-moi. Tenez, vous en aurez sans doute besoin. Vous avez votre radio? Oui, je l'ai. Aline, sur l'île, pour votre sécurité, vous feriez mieux de rester près de moi. Près de vous? Pourquoi y aurait-il un danger? J'ai été engagée pour authentifier une traduction de tablette Abganis. Je vais travailler avec le professeur Morton. Mon meilleur ami est mort à cause de ces tablettes. Il a été tué sur Shadow Island. Et je vous jure que je retrouverai celui qui a fait ça. Je suis désolée. Écoutez, je connais le professeur Morton de réputation. C'est un scientifique, un très grand chercheur. Pour moi, c'est d'abord un suspect. Nous approchons Shadow Island. Mais qu'est-ce que c'est ? Carnby, répondez-moi, je vous en supplie. Aline, ça va? Comment ça pourrait aller? Qu'est-ce que c'était que cette chose? Qu'est-ce qui se passe ici?
Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Écoutez, je veux partir d'ici, tout de suite. Pas de panique, je vais trouver une solution. Où êtes-vous exactement? Sur les toits d'une sorte de manoir. J'ai failli me tuer, j'ai vraiment peur. Faites quelque chose. J'ai atterri dans un bois, à une centaine de mètres environ du manoir. Vous pouvez me voir? Vous voir? Mais comment? Aidez-moi, bon Dieu! Allumez votre torche! C'est bon, je vous vois maintenant. Ok, je vous vois aussi. Voilà ce que nous allons faire. Essayez d'entrer dans le manoir et planquez-vous. Moi, je vous rejoins. Et dans combien de temps? Je ne sais pas. Je vais faire de mon mieux. Quoi? Aline, je vous rejoins. Promis. Faites vite. Non, non, ne bougez pas. Ne bougez surtout pas. Laissez-moi. Je vais mourir. Je vais mourir. Qui vous a fait ça? Cette île, c'est l'enfer. Pas des hommes. Des bêtes immondes. Tirez-vous par tous les moyens. Comment êtes-vous arrivé ici? Le bateau. Dernière cargaison. Ah, il a flingué tout le monde. Essayez de vous calmer. Vous avez une arme, je vous laisse des balles. Je vais chercher de l'aide. De l'aide? Mais vous allez mourir, comme tout le monde. Fuyez. Je vais revenir. Aline? Oui, Gambi? Aline, j'ai vu... Je crois qu'il faut vraiment que vous vous planquiez. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, mais on se retrouve au manoir. Non, non, non. Terminé. Ah!
Aline ? Carnby, vous ne pouvez pas savoir. J'ai oublié de vous dire que j'ai rencontré une vieille femme. Je crois que c'est la mère de Obed. Elle est à moitié folle, elle dit qu'elle ne l'a pas vue depuis 3 jours. Autre chose ? Je pense qu'Obed Morton est sur l'île. Mais ce que j'ai vu est terrifiant. J'ai failli en devenir cinglée. Ouais. Et après ? C'est tout ce que ça vous fait. Vous ne voulez pas que je mène l'enquête à votre place non plus ? Si vous le prenez comme ça. Je le prends comme je veux. Terminé. Carnby ? Carnby, répondez-moi. Aline, je vous croyais morte. Moi aussi. Je ne suis pas faite pour cet enfer. Je veux que cela s'arrête tout de suite. Je vous comprends. Vous me comprenez, vous me comprenez. Vous ne comprenez rien du tout. Je ne sais pas ce que vous, Johnson ou le professeur Morton me voulez, mais je veux que ce cauchemar s'arrête. Et maintenant ! Aline, reprenez-vous.
Où êtes-vous ? Dans une chambre. Mais je ne peux pas sortir, l'une des portes est fermée. L'autre, j'arrive à l'entrebâiller, mais elle est bloquée par un objet très lourd. Ouf, quand je pense que c'est Obed Morton qui m'a enfermé ici, moi qui voulais l'aider... Ne bougez pas, j'arrive. Vous avez rien de mieux à proposer ? Je voudrais bien vous y voir, vous. Bon, ben, dépêchez-vous. Je vous entends. Vous voyez ce qui bloque la porte ? Je crois que c'est une armoire. Eh bien, poussez-la ! Carnby, enfin. Vous allez me dire ce qui se passe. Je ne le sais pas encore. J'aime beaucoup votre nouvelle tenue. Elle vous rend plus... moins... Oui, je sais. Tenez, j'ai récupéré vos affaires. Merci. Et mon blouson ? Celui qui vous a enfermé ici l'a sans doute trouvé à son goût. Écoutez, je n'aurais jamais dû accepter que vous veniez. J'ai mes raisons pour être ici. Avez-vous pu parler à Obed Morton ? Non. Et vous ? Je ne sais plus. J'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs Obed Morton. Ne vous emballez pas, c'est trop dangereux. Il faut que nous trouvions un endroit sûr où vous pourrez m'attendre. Écoutez, Carnby. Vous savez comme moi que le seul endroit sûr se trouve à 2 heures d'avion. Je ne m'en suis pas si mal sortie jusqu'à maintenant. Et je ne compte pas rester à rien faire pendant le temps qu'il me reste à vivre. Je veux savoir. Tout à l'heure, j'ai entendu une voix qui venait du dessus. Il y a une trappe. Avec votre aide, je pourrais l'atteindre. Mais pourquoi ne pas rester ensemble ? Nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs. Rappelez-vous ce que vous m'avez dit dans l'avion ? Alors aidez-moi. Et si je refuse ? Vous ne refuserez pas. Goulaï, Ipor, Arni, Skorna. Le cercle de pierre situé au milieu de la lande m'a toujours intrigué. Lorsque j'interrogeais Edenshu à son sujet, il s'est toujours montré très évasif. Je pense qu'il s'agit en fait d'un calendrier rituel servant à déterminer certains événements astronomiques. Je me suis immédiatement lancé dans la construction d'un planétarium qui puisse fonctionner en parallèle du cercle de pierre. Tout ceci semble lié à la porte, à son ouverture et au rituel des 7 statuettes.
Idencho s'est montré très surpris. Je pense qu'il n'avait pas fait le lien. Je l'ai alors convaincu d'y accomplir le rituel de ses ancêtres. Je connais ses faiblesses. Il voulait me convaincre de ses pouvoirs de chaman. Même lui agit par orgueil. Je l'ai enregistré alors qu'il prononçait les mots sacrés de sa tribu. Il s'était placé face à une des stèles. La direction dans laquelle il prononça l'incantation semblait une donnée importante du rituel. Mais il ne s'est rien passé. « Le moment n'est pas encore venu », m'a-t-il dit, en guise de justification. Je sais qui vous êtes et ce que vous venez chercher ici. Je vous attendais. Restez où vous êtes. Ne bougez pas d'un millimètre. Qui êtes-vous ? Mon nom est Edensho. Je suis le gardien de cette île. Le gardien ? Le gardien de quoi ? Et qu'est-ce que c'est que ces monstres ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Le professeur Morton a définitivement franchi la frontière. Vous pouvez pas être plus clair ? C'est quoi ce bordel ? Ma faiblesse en est la cause. J'ai laissé des enfants jouer avec des forces qui les dépassent. Mais les légendes ne m'ont pas trompé. Vous voici parmi nous. J'espère seulement qu'il n'est pas trop tard. Je ne comprends rien. Vous comprendrez bien assez tôt. Allez à la bibliothèque. Les livres renferment de nombreux secrets. Prenez aussi cette amulette. Elle vous permettra de ne pas sombrer dans l'oubli avec tous les autres. Accomplissez votre destin. Sauvez-nous. Attendez, attendez. Je suis pas venu ici pour jouer. Je suis venu enquêter sur la mort de Fisk. Je ne vois pas de qui vous parlez. Charles Fisk, la cinquantaine. 1m85, cheveux grisonnants. Je ne vois toujours pas. Vous savez, il n'est venu personne sur Shadow Island depuis plusieurs mois. Bon, allez, maintenant, ça suffit. Oh, merde. Ah!
Aline ? Carnby, vous en êtes où ? J'ai rencontré un certain Eden Shaw. Et qu'avez-vous appris ? Il en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien le dire. Il prétend qu'il n'a jamais vu Fisk, l'ami dont je vous ai parlé. Et vous en concluez ? Deux hypothèses. Soit c'est vrai et Johnson et toute sa bande sont de sacrés bâtards, soit il ment et ça me fait un suspect de plus. Et si Fisk était venu mais qu'il n'a pas voulu se montrer, s'il s'était simplement planqué ? Non, ça ne colle pas. Je connais les méthodes de Fisk, il ne pouvait pas s'empêcher de poser des questions. Mais peut-être qu'il n'en a pas eu le temps. Que voulez-vous dire ? Les monstres, les créatures. Mais Fisk est mort d'une balle en plein cœur. Ah, je vois. Ou plutôt, je vois rien du tout. Je vais trouver Obed Morton. Lui, il a les réponses à nos questions. Je commence à en douter. Thank you.
dans le grenier. J'y suis passé. J'ai remarqué qu'il y avait comme une sorte de trappe dans le plancher. Vous verrez bien, quand on marche dessus, ça sonne creux. J'ai rencontré Eden Shaw, le vieil indien. Il m'a dit qu'il était le dernier chaman. Il prétend qu'il peut faire quelque chose pour arrêter cette folie. Vous croyez qu'on peut lui faire confiance? Je l'ai rencontré aussi. Il m'a l'air d'en savoir beaucoup plus qu'il n'a bien voulu m'en dire. Mais je crois que nous n'avons pas le choix. Il a besoin de 7 statuettes pour accomplir une sorte de rituel. Mais pourquoi ne les cherche-t-il pas lui-même? On peut l'aider. Sûrement. Et elles ressemblent à quoi, ces statuettes? Je sais pas trop. Elles représentent des animaux, je crois. Ah, bravo, avec ça on est bien avancé. Kimby, je suis sûre que c'est vraiment important. Je sais, je sais. On va lui trouver ces statuettes. Et après, on rentre chez nous. Et c'est où, chez vous? Je ne sais pas encore. On en reparlera plus tard. Terminé. J'ai trouvé la trappe dans le grenier, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. À mon avis, ce n'est pas avec une clé qu'elle est fermée. Vous feriez mieux de la défoncer. Mais avec quoi? Moi, dans la vie, je suis prof d'anthropologie. Les gros bras, c'est vous, non? D'accord, d'accord.
Vous êtes revenu ? Revenu ? Mais de qui parlez-vous ? Mais qui êtes-vous ? Mon nom est Carnby, Edward Carnby. Je suis ici pour vous aider. Ne mentez pas. Vous êtes ici pour toute autre chose. Vous êtes avec la jeune femme. Aline ? Vous savez où elle est ? Elle doit être morte à présent. Vous savez, monsieur Carnby, de tous ceux qui ont posé le pied sur cette île, peu en sont repartis. Obed m'a dit qu'un homme lui avait parlé la semaine dernière, je crois. Obed était persuadé qu'il allait nous aider. Oh, Obed est un grand naïf. Cet homme, il s'appelait Fisk ? Charles Fisk ? Comment peut-on être sûr de quoi que ce soit sur Shadow Island ? Je sais que vous êtes venu pour faire du mal à mes fils. Non, non, vous vous trompez. Allez à la bibliothèque. Brûlez tout. Que les flammes purifient cet enfer. Mais, et vous ? Je suis déjà morte. Allez au diable ! Aline ? Carnby ? Je ne comprends pas le rôle d'Obed Morton dans toute cette histoire. J'ai l'impression que c'est plutôt son frère qui a les réponses. Son frère ? Alan, le frère jumeau d'Obed. Ah, c'est donc ça. Il semble qu'Alan Morton soit... comment dire... diabolique. Ouais, je crois que c'est le mot qui convient. J'ai découvert qu'il avait tué son père, Howard, et qu'il s'était livré à des expériences sur son corps. C'est un monstre. Vous ne me dites pas tout, Aline. Je crois qu'Alan Morton, comme le docteur Moreau, des espèces de manipulations génétiques. Mais pas des animaux, des créatures de l'ombre. Ça expliquerait. Il faut les en empêcher. Carnby, tout ça me dépasse. Je mentirais si je vous disais que tout cela ne me dépasse pas. Allez, courage.
Je suis dans la bibliothèque. C'est gigantesque. Ne touchez à rien. Il y a sûrement de véritables trésors. Parce que vous croyez que je ne suis pas capable de distinguer un roman de garde d'un incunable ? Incunable ? Je n'aurais jamais cru que ce mot fasse partie de votre vocabulaire. Rassurez-vous, j'en ai plein d'autres. Terminé. Thank you.
Carnby ? Oui, Aline. Alors, où en êtes-vous ? J'espérais que vous aviez de bonnes nouvelles. Oui, enfin, peut-être. J'ai aperçu un homme dans le fort qui domine l'île. Cela pourrait être Bed Morton. Et ? Et quoi ? Non, je ne l'ai pas tiré comme un lapin. Pourtant, c'est tout ce qu'il mérite. Si lui et tous les tarés de sa famille n'avaient pas été dévorés par l'ambition, tout ce bordel n'aurait jamais eu lieu. Bed Morton a fait faire des avancées considérables à la connaissance qu'ont les hommes d'eux-mêmes. C'est un génie, passionné par son travail. Et puis, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Bed Morton ? Je ne peux pas vous parler de lui sans que vous montiez sur vos grands chevaux. J'ai de bonnes raisons de croire que le professeur Morton... Bed Morton est... mon père. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Les dates correspondent. Et on m'a remis une photo. Et c'est pour cela que vous avez accepté de venir sur cette île ? Mais... il y a aussi les tablettes Apkanis. Les tablettes Apkanis, tu parles. Mais bon Dieu, pourquoi ne pas lui avoir écrit ? Pourquoi vous être précipité ici ? Je n'entendrai la vérité que par sa bouche. Oui, je vous comprends. Je devrais vous dire de rester planqué, mais... faites attention à vous, Aline, et appelez-moi si vous avez un problème. Carnby, j'ai un problème.
Aline ? Aline, où êtes-vous ? Je dois absolument rejoindre le fort. Je dois parler à Obed Morton. Et vous ? Je suis devant le manoir. Je sais qu'il existe une sorte de laboratoire souterrain. Je suis sûr d'y trouver Alan. Je ne peux pas beaucoup vous aider. Je vais essayer d'ouvrir la grille du pont qui mène de l'autre côté de l'île. Rappelez-moi quand vous y serez. Ok. Thank you.
suis dans le fort. Il y a une sorte de planétarium. C'est extraordinaire. Les Morton se sont vraiment intéressés à tout. Oui, mais dans un seul but. C'est Jeremy Morton qui l'a fait construire. Ça a un rapport avec un rituel indien. Il y a un truc qui ressemble à une console de commande. Je vais essayer de l'atteindre. Aline, je dois avouer que vous vous en sortez pas mal du tout. Aline ? Oui ? Je suis arrivé au cercle de pierre. Des stèles Abkanis. C'est ici. Je suis sûr que c'est ici qu'il faut que j'accomplisse le rituel. La seule chose qu'il me manque, c'est la direction. Je vais essayer de vous aider. Dirigez-vous vers la stèle nord et rappelez-moi pour me dire si quelque chose y est inscrit. Je suis devant la stèle nord. Il y a effectivement quelque chose de gravé au sommet. Un trait. Ok, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Vous ne pouvez pas m'en dire plus ? Oh, j'aimerais être sûr de moi avant. Allez à la stèle sud-est et rappelez-moi. Aline ? Il n'y a aucun signe sur cette stèle. D'accord. Stèle ouest. Ça va prendre encore longtemps, cette histoire ? Oh, vous voulez essayer votre incantation, oui ou non ? Je suis là pour ça. Stèle ouest, trois traits. Bien. Je vous explique. Je crois que chacune de ces inscriptions correspond à un chiffre. J'ai devant moi une console. Mon idée, c'est que j'entre les chiffres, et comme c'est un planétarium, logiquement, je dois obtenir une direction. Je vous fais confiance. Eh bien, dans ce cas, allez à la stèle sud-ouest. Ok. Stèle sud-ouest. Un trait. De mieux en mieux. Stèle est. Je suis devant la stèle est. Deux traits. Je commence à ne plus trouver ça drôle. Vous êtes mauvais joueur, on y est presque. Stèle nord-est. Rien sur la stèle nord-est. Ok. Et maintenant à nouveau la stèle sud-est. J'espère que vous ne vous foutez pas de moi. Oh, mais si vous voulez pas que je vous aide. Oh, ne le prenez pas comme ça. Stèle sud-est. Rien, évidemment. Allez, Carnby. Stèle sud-ouest, et c'est fini. Stèle sud-ouest, un trait. Ok, comme je disais, Carnby,
Vous n'allez jamais me croire. Mais vous savez bien que je vous crois toujours. Si je ne me suis pas trompée, votre cercle de pierre nous donne la date d'aujourd'hui. Oh merde, ça veut dire... Que c'est cette nuit que la porte... Peut-être ouverte. Carnby, je me sens pas bien. C'est pas le moment de flancher. Il me faut toujours une direction. Attendez, j'entre la date dans la console. Oh, c'est incroyable. Attendez, les planètes se mettent en conjonction. Dans quelle direction, Aline? Je dirais... vers l'est. Oui, c'est ça. C'est ça, vers l'est. Merci. Carnby, vous ne pensez pas que tout ça nous dépasse? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je veux que nous sortions d'ici vivants. Et je vous promets qu'on y arrivera. J'aimerais bien vous croire. Ipor. Arnis. Korna. Ogula, Ipor, Arnis, Korna. Aline, c'est Carnby. Alors, grand chaman, ce rituel. Ouais, vous rigolerez peut-être moins quand je vous aurai dit que j'ai récupéré une statuette et une sorte de disque de pierre. Un disque de 25 cm de diamètre? Tout juste. J'en ai besoin. Il faut absolument que nous nous retrouvions. Je prends le chemin du fort. Vous, vous venez à ma rencontre. Ok. Johnson, répondez. November 09. Ici Johnson, répondez. November 09, répondez. Ici Johnson, répondez. November 09, à vous.
Hey ! Où je suis ? Ne vous agitez pas. Je vais essayer de vous dégager. Mes jambes ! La radio n'aimait plus. Vous en faites pas. Ça va aller. Ça va aller. Mais l'avion s'enfonce ! Enfin, je vous dis que ça va aller ! Je ne veux pas mourir ! Mais... lâchez-moi ! Ne me laissez pas ! Je vous en supplie ! Maintenant, lâchez-moi ! Allez-y. Je ne m'en sortirai pas. Mais si... Je vous dis que je ne m'en sortirai pas. Promettez-moi seulement une chose. Quand vous reverrez Johnson, dites-lui de ma part qu'il est grillé. Je vous préviens que je n'hésiterai pas à tirer. Aline ? Carnby ? Oh, vous m'avez flanqué une de ces trous, j'ai failli vous tirer dessus. Je sens comme un regret. Oh, plaisantez pas avec ça. Vous avez le disque de pierre dont vous m'avez parlé ? Que me donnez-vous en échange ? Oh, je vois qu'on ne perd pas le Nord. Tenez, j'ai trouvé ceci. Aucune idée de ce à quoi ça peut servir. Ça me dit quelque chose. Vous en êtes où ? J'ai récupéré les tablettes et j'ai deux statuettes. Et vous ? Il m'en manque encore. Vous semblez prendre goût à nos aventures ? Détrompez-vous.
Je veux juste m'en sortir. Et maintenant ? Je dois absolument retourner au fort. Bonne chance. À vous aussi, Carnby. Système nerveux constitué d'une masse sombre et luisante d'environ 35 cm de long sur 15 de large. Structure chaotique, réagit directement à la lumière blanche en se contractant comme une pupille. J'effectue les prélèvements pour procéder à l'analyse biochimique. Je pense déjà pouvoir affirmer que les éléments constitutifs principaux sont le zinc et le beryllium. Comme sur tous les autres, c'est la structure cristalline centrale qui m'intéresse. C'est cette structure qu'il me faut extraire pour l'injecter. Qui va là ? Alan, n'y pensez même pas. J'aurais déjà pu me débarrasser de vous une bonne dizaine de fois, mais je préfère que vous goûtiez à l'ombre de votre vivant. Quand mes amis des ténèbres en auront fini avec vous, votre corps pourra toujours m'être utile. Vous pourriez répondre quand j'appelle. Aline, je viens de tomber sur Alan au beau milieu d'une de ses expériences macabres. Il était en pleine dissection et je ne veux pas savoir de quoi. Quelle horreur! Mais où êtes-vous? Dans un laboratoire souterrain. Apparemment, les expériences d'Alan nécessitent pas mal de matériel et de cadavres. Des cadavres humains? Je ne sais pas. Il s'est enfui en coupant l'électricité et je me retrouve dans le noir complet. J'ai trouvé un plan. Je crois que c'est celui du labo. Attendez, il y a une issue juste à côté de la table d'opération. Ok, j'y vais. Thank you.
La porte est bloquée par des barres métalliques. Alan a dû déclencher un système de verrouillage automatique. Attendez, le plan comporte le schéma de tout le câblage électrique du labo. Il devrait bien indiquer l'emplacement de ce mécanisme. Merci Aline, vous me sauvez la vie. Une fois n'est pas coutume. Attendez Carnby, oh ça va pas. Quoi? Le mécanisme de verrouillage est à l'extérieur du labo. Ah, il faut absolument trouver une solution. Peut-être que si je rallume tous ces appareils... Ah, ça pourrait provoquer une surcharge et libérer la porte. Ok, essayons. Par où je commence? Il y a deux établis avec un dispositif expérimental. Pour les trouver, longez le mur à gauche de la porte. Ok. C'est un vrai musée des horreurs ici. Ok, j'ai allumé une sorte d'arc électrique, mais rien ne se passe. Attendez! Continuez avec les autres appareils. J'espère au moins que ça va servir à quelque chose. Continuez sur votre lancée après l'établi et vous allez atteindre un couloir. Franchissez le passage et allez toujours tout droit jusqu'au bout du couloir. Le couloir des cellules. En tout cas, l'interrupteur est au bout de ce couloir. Ok, j'ai pas vraiment le choix. Ok. Tout droit. Ok. Je viens de rallumer un projecteur et la surcharge n'a pas eu lieu. Un peu de patience. Je voudrais bien vous y voir. Le dernier interrupteur se trouve dans la pièce annexe. Repartez dans l'autre sens et à l'intersection, tournez à droite puis suivez le couloir. Ok. Aline, vous devriez voir ça. Je ne veux même pas savoir ce qu'Alan... Je viens de rallumer une sorte de rayon laser. Bon, en théorie, c'est maintenant que quelque chose devrait se passer. Il se passe rien, là. Je vais rester bloqué. Ça y est, ça marche. Ok. Passez par la porte sur votre gauche et traversez le laboratoire pour rejoindre la sortie. Merci. J'y vais.
son de votre voix. Gardez votre esprit pour plus tard. Où en êtes-vous? Merci pour les encouragements. J'ai deux statuettes, et vous? Pareil, moi aussi, j'ai deux statuettes. Je suis passé par le labo d'Alan Morton, et je commence à entrevoir les objectifs de Land. Et en ce qui concerne votre ami? Fisk? Je pense que ces ordures ne lui ont pas laissé une chance. Vous parlez des frères Morton? Non, je parle de Lamb et Johnson. Fisk n'a probablement même pas posé le pied sur cette île. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Tout d'abord, nous sortir d'ici. Il me semble que si je continue, je devrais peut-être rejoindre les caves du manoir. Quand j'étais là-bas, j'ai déverrouillé une trappe qui conduit à la serre. Ok, merci. Lamb, c'est vous? Professeur Morton, quelle joie de vous entendre. N'en faites pas trop. Vous avez eu les documents? Oui, et je vous en remercie. Les travaux de votre frère ont remarquablement avancé, dites-moi. Ces notes sont d'une grande clarté. J'avais l'impression de lire un cours de médecine pour étudiants de première année. Cependant, je reste persuadé que vous auriez pu me livrer la traduction des tablettes il y a déjà un bon moment. Vous n'auriez pas abusé de ma patience. Arrêtez ça, on dirait Alan. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici. Si j'en crois les notes de travail de votre jumeau, ça doit ressembler à l'enfer, non? Je vous ai envoyé deux de mes meilleurs agents. Deux agents ne font pas le poids. C'est l'armée qu'il nous faut. L'armée, comme vous y allez. Vous vous en êtes très bien sorti sans moi jusqu'à présent, non? Vous êtes vraiment le dernier des salauds. Venez me chercher immédiatement. Monsieur Morton, je crois que vous ne m'avez pas très bien compris. Grâce à vous et à votre frère, j'ai fait de gigantesques progrès. Pour moi, le grand jour approche. Désormais, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Lamb! Lamb! Il faut... vite. Alan s'apprête à accomplir le rituel d'ouverture. Je le sens. Mais vous ne pouvez rien faire pour l'en empêcher? Je suis vieux. Je n'ai pas... Restez avec nous, nous avons encore besoin de vous. Que faut-il faire? Trouvez les dernières statuettes et rejoignez-moi dans le sanctuaire de mon peuple. C'est là que se trouve la porte. Avec un peu de chance, nous y arriverons avant Alan. Pourquoi êtes-vous resté tout ce temps au service des Morton, sans intervenir? Ne vous êtes-vous jamais dit « le moment n'est pas venu »
C'est ce que je me suis dit pendant 50 ans. Mais à présent, je sais que pour moi, le moment est venu. Comment ça? Si Mademoiselle Cédrac est ici, c'est parce que des hommes l'ont voulu. Vous, vous êtes ici parce qu'un dieu l'a voulu. Oui, je sais, vous êtes sur Shadow Island pour votre ami, mais réfléchissez. Vous vous êtes précipité sans même vous poser de questions. Venir ici vous est apparu comme une évidence. Fisk n'a été, malgré l'amitié profonde que vous lui portez, que le déclencheur. Comment savez-vous tout cela? Moi aussi je suis venu ici, Monsieur Carnby. Et depuis, mes rêves sont comme des livres où le futur serait écrit. Mais pas le mien, le vôtre. Aline, j'ai rencontré Dunshaw. Il faut retrouver Alan. Je sais. Il ne vous a rien dit d'autre? J'ai le sentiment étrange qu'il savait que je viendrais. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'ai l'impression que je suis lié à ce qui se passe ici. Une impression de déjà-vu? Non, c'est plus profond. Comme les bribes d'un passé. Moi, c'est tout mon passé qui n'est que bribes. Vous, vous avez parlé à Obed Morton. Oui. Et il n'est pas mon père, mais... disons que je m'en doutais. Vous avez toujours vécu sans savoir qui était votre père. Ce ne sont pas quelques mois de plus qui... Je vous jure que si nous sortons d'ici vivants, je me mets sur votre affaire. Mais je vous préviens, on est souvent déçus par ce genre de retrouvailles. Yeah.
Aline ? Je vois que nous en sommes arrivés au même point. Le temps est proche. Il faut nous dépêcher ou même notre sacrifice sera inutile. Vous vous mettez à parler comme les gens du coin ? C'est comme si j'étais investi d'une mission. Eh oui, bienvenue au club. Il y a par là une stèle avec des inscriptions dont j'aimerais connaître la signification. Suivez-moi. Alors, vous pouvez la déchiffrer ? Attendez. Oui, je crois. La porte est devant toi désormais. La porte qui retient l'ombre dans les replis de la terre. Toi qui t'apprêtes à l'ouvrir, tu dois savoir que la nuit maintient l'ombre dans ses cavernes, mais que le soleil l'appelle. Ainsi, si la porte est ouverte alors que l'astre de lumière darde ses premiers rayons, l'ombre se répandra sur la terre, préparant le terrain pour ses créatures. Elles déferleront alors à la surface de la terre et se nourriront du sang de tous les fils de la lumière. Et merde ! Répétez, j'ai pas compris. Je crois qu'il s'agit des sept dieux de la lumière. Ouais, et celui du milieu, ça doit être Hécatonchirès, le dieu des dieux. Vous y croyez, vous, à cette légende ? Et vous y croyez, vous, à cette île ? Allez, dépêchons-nous. Je t'en supplie, Alan. Tu n'as pas idée des conséquences de tes actes. Eden Shaw, depuis des années, tu m'observes, attendant ce moment juste pour vérifier que tes pouvoirs de sorcier sont intacts. Mais il est trop tard. C'est avant que tu aurais dû me supplier. Tu sais, comme moi, que c'est le jour, ou plutôt la nuit. Tu trembles, mais tu es comme les autres. Tu es fasciné. Je me rends compte que seul mon père a su s'opposer à cette folie qui habite les Morton. Et il en est mort. C'est moi qui l'ai tué. Tu voudrais que je renonce maintenant? Toute ma vie, je l'ai consacrée à cet instant. Votre monde humain n'a jamais eu d'intérêt pour moi. Mes recherches ont abouti. J'ai créé un nouvel être. Un être sans conscience, sans sentiment, sans souffrance. Un être qui ne connaîtra ni le doute, ni l'espoir. Bientôt, mes enfants domineront la terre. Et mon frère, ce pauvre lâche, sera des leurs. Je sais ce que cette statuette représente, et c'est pour cela que je l'emporte avec moi. Tu pensais qu'en détruisant mon monde, tu accomplirais ton destin ? Je ne te ferai pas cette joie. Ôte-toi de mon chemin. Et vous, étranger, je ne sais pas ce qui vous a conduit ici. Mais sachez que vous allez bientôt connaître le goût de l'ombre et de l'oubli.
La lumière a trop longtemps régné sans partage. Que l'ombre se répande sur le monde. Bonazza, Ternas, Kuro, Helie, Zeir, Hekatonkires. Je t'attendais, guerrier, car je savais que tu viendrais cette nuit. Guerrier, tu ne connais ni ton père, ni ta mère, et tu es né le jour où mon fils s'est éteint, mortellement blessé dans son combat contre l'ombre des mondes extérieurs. Je suis Hekatonkires, dieu de la lumière vivifiante, et je t'ai choisi pour mener le combat sur ton monde. Désormais, ton combat est le mien. Par les rêves, je t'enseignerai. Par les rêves, je te formerai. Cette nuit est ta première épreuve. Échoue, et ton monde disparaît. Vins, et ce n'est qu'un répit. Voilà quelle sera ta vie. Que la lumière te guide. Aline ? Aline ? Oh, est-ce que je suis contente de vous entendre ? Aline, j'ai fait un rêve étrange. D'ailleurs, c'est la première fois que je me souviens d'un de mes rêves. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Où êtes-vous ? Sur un surplomb rocheux, au-dessus d'un gouffre. Vous avez eu beaucoup de chance. Il faut absolument récupérer la statuette d'Alan avant le lever du soleil. Eden Shaw m'a dit que l'eau des sources avait un pouvoir de guérison. C'est déjà ça.
Aline ? Carnby ? Alan vient d'essayer de me tuer. Ce ne sera pas la première fois. Ni la dernière. Je vais commencer à croire en ma bonne étoile. Ce ne serait pas plutôt les dieux de la lumière ? Sans doute, sans doute. Alan, non, attendez! Ah, merde! Si j'avais le temps, je vous féliciterais pour votre courage. Mais il est trop tard, pour vous comme pour tous les autres. Plus rien ne peut désormais m'arrêter. Regarde! Regarde ce que tu as fait à ton frère! Obed? Mais...
C'est Johnson. Quoi? C'est Johnson, Frédéric Johnson. Mais qu'est-ce que... J'écoute vos conversations radio depuis le début. Espèce de... Vous allez tout de suite me dire ce qui est arrivé à Fisk. Je ne sais pas exactement. Je crois que Lamb l'a éliminé. Mais pourquoi? Carnby, il faut que vous sachiez une chose. Je travaillais pour le gouvernement. J'étais chargé d'infiltrer l'organisation de Christopher Lamb. Mais mon patron a été démis du dossier. Quelqu'un nous a doublé et ma couverture a sauté. Arrêtez vos salades! Parlez-moi de Fisk! Je crois que Lamb a fait disparaître votre ami parce qu'il s'intéressait de trop près à Shadow Island et au Morton. Vous savez sans doute que Fisk a fait partie un temps du bureau 713. Et vous, vous avez laissé faire ce salaud? Je n'étais pas au courant. Et même si je l'avais été, je n'aurais rien pu faire. Avez-vous les tablettes? Vous vous foutez de moi? Vous voulez me faire croire que vous ne savez pas que Lamb a déjà récupéré leur traduction? C'est encore pire que ce que je croyais. Faites votre boulot et laissez-moi faire le mien. Terminé. C'est Johnson. Qu'est-ce que vous voulez encore? Carnby, il faut que vous sachiez que Lamb connaît au moins un autre lieu ou un autre point de contact. Oh merde! Il sait où se trouvent les portes et comment les ouvrir. Mais quel est son but exactement? Je n'en sais trop rien. Ma mission était de le découvrir. Je pense qu'il veut utiliser les travaux des Morton à son propre compte. Mais au fait, si vous saviez tout ça, pourquoi ne pas m'avoir appelé avant? Je croyais ma couverture solide, mais Lamb me surveillait. Et quand j'ai essayé de contacter mon boss... Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Non, Carnby. J'ai une dette envers vous et Aline Cédrac. J'ai contacté un ami sûr qui a une compagnie d'hélico. Nous viendrons vous chercher dans une heure ou deux. Vous tiendrez le coup. Tu m'étonnes. Terminé. Thank you.
Carnby, où êtes-vous? Je suis dans une énorme salle, avec d'immenses colonnes sculptées. Alors vous êtes très proche de la sortie. Dépêchez-vous.
J'ai la statuette! Aline, par ici! Tout va s'effondrer! Courez! J'ai aperçu un hélicoptère sur la grève ouest. Dépêchez-vous, il nous reste très peu de temps avant que le soleil ne soit complètement levé. Mais et vous? Je peux désormais accomplir mon destin grâce à vous. Soyez-en remerciés. Allez! Celle-là, vous l'avez pas volée. Géologue spécialisé dans ce que les scientifiques appellent la tectonique des plaques. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui s'est passé? Shadow Island se trouvait apparemment sur le point névralgique d'une micro-faille. Cette faille s'est brusquement élargie d'une dizaine de mètres et l'île a littéralement coulé. Mademoiselle Wallace, vous pouvez envoyer sa petite récompense à Fishburne. Thank you.
breathe. And the space around my head is closing. I'm at the bottom again. Alone in the dark. Oh,